savon à main, il est dégueulasse. Il y a du dentifrice ici. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oui? Oui, vous voyez bien, je suis inspirée par à l'huître. J'ai fait ce maquillage, je sais pas combien de temps, heure. J'ai blendé et mis du noir. Il y a un fard Teramoz ici qui est un multi-reflet orangé, violet, noir et magnifique. Ça m'a inspiré. Et je sais pas, j'ai continué. Tu sais, je me dis quand même, ça fait 2 heures que je suis là à blender, descendre, blender. J'adore ce look, il est magnifique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, j'ai utilisé la palette Simple Beauty pour les orangés. Le orange néon, même chose. Chute Academy, c'est même pas la peine. Non. Cette palette. On en reparlera. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour les empties parce que d'après ce que j'ai entendu dire, le mois d'août est terminé. Si, ça y est, c'est fini. Passons au mois de septembre, c'est-à-dire à l'huître. Hein, on est prêt, on est dans le mood. J'ai eu mon pumpkin spice cette semaine, donc nous pouvons entamer la période à l'huître. Moi je m'en fous, je suis déjà, vous le savez si vous me suivez sur mes studio vlogs. Je suis déjà en 2022 dans mon programme, donc à l'huître pour moi ça va être comme, je vais apprécier, étant donné que j'ai déjà travaillé sur le truc, bah, je vais apprécier la chose. Peut-être qu'il y aura des nouvelles choses aussi. Le grand reveal bientôt. Ok, bon, les empties, ce sont les produits que j'ai terminés pendant un mois, donc toutes les fins de mois je vous reviens avec mes produits terminés, je vous dirai ce que je les recommande ou est-ce que je les recommande pas. J'ai aussi un livre. Oui, et ça s'y prête bien parce que c'est un livre d'horreur. Ish. Thriller. Stephen King? C'est quoi? C'est pas horreur, mais... ça va arriver à la fin de la vidéo au cas où ça vous intéresse pas. Voilà. Donc je commence par les sempiternels. Autant de cheveux. Zongle Kiss. Combien il y a de packages là-dedans? 2 seulement? 3. Kiss et Impress. Impress, je sais, je me répète toutes les semaines, mais vous n'êtes pas tous là depuis longtemps, donc je fais mes vidéos comme si c'était la première fois qu'on se parlait, d'accord? Donc les Impress sont les ongles comme ceci, avec la gommette intégrée à l'intérieur, super facile à utiliser, ça tient vraiment super longtemps, j'adore ces ongles, je préfère Impress à Kiss. Le seul truc c'est que Kiss, ils ont des modèles plus intéressants, plus edgy, plus tendance. Impress, c'est plus pratique, mais il commence à devenir à la hauteur de Kiss. Vous voyez? Donc, Impress, ça c'est les petites boîtes. Et il y a plusieurs ongles à l'intérieur, je pense qu'il y a 28 si vous voulez essayer. Et il y a aussi les Kiss. Aujourd'hui, par exemple, je porte les Kiss. Je mets une petite gommette à l'intérieur. Ça vient avec de la colle aussi, mais vous savez peut-être pas. Je ne sais pas si vous êtes nouveau. Je réagis à la colle. Ma peau déteste ça. Donc, je ne mets pas de colle. J'aimerais pouvoir mettre de la colle pour ne pas avoir des chutes d'ongles au cours de mes mouvements quotidiens. Mais écoutez, la gommette, ça me va. Si ça tombe, ça tombe. Puis je les remets plus tard. C'est vraiment pas un gros problème. Mais voilà. Donc ça, c'est les ongles Kiss. Ça, c'était ceux du 4 juillet avec les petites étoiles dessus. Magnifique. Et ça, c'est ceux que j'avais la semaine dernière aussi. J'adore les ongles Kiss et Impress. Et là, bientôt, je vais me faire une autre commande. Parce que je suis fan de leurs ongles. J'ai un tiroir dédicacé aux ongles Kiss et Impress. Qui sont la même marque. Vous pouvez acheter les deux sur la même plateforme. Il y a un truc dans la bouche. Vous pouvez acheter les deux sur la même plateforme. Parce que c'est la même marque. Par contre, ça ne livre pas encore à l'international. Ça livre au Canada et aux États-Unis. J'ai hâte qu'ils changent ceci. Ensuite, passons à Bath & Body Works. J'ai fini ce gel douche qui s'appelle le Salt Water Breeze, qui est comme ceci. Alors Bath & Body Works, c'est aussi un segment qui revient souvent dans mes empties. J'aimais bien l'odeur. Je vois pas le rapport avec le Salt Water Breeze. C'était pas mauvais du tout. Je dirais que oui, ça a l'air d'un petit peu d'être un peu salé comme odeur. Mais il y a quelque chose de pas sucré.
De fleuri, c'est ça. Il y a quelque chose de fleuri dedans. C'est quoi? Feuille de violette. Voilà. Water blossom, white musk. Voilà. Oh, il y a une petite description. Attendez, je vais vous lire. Attendez, je suis en espagnol. Ça marche pas. Brise d'eau salée, un quart de l'essence, de la fraîcheur, de la rosée et la douceur, chaleur des rayons de soleil. C'est beaucoup de claim pour une petite bouteille, hein, je veux juste vous dire, mais écoutez, on va le prendre. J'ai aussi fini ce savon à main, il est dégueulasse. Il y a du dentifrice ici. qui est le Mango Mai Tai. Lui, il sent super bon, il sent l'été. Je suis prête à utiliser les savons de l'hiver et l'automne, hein. Ça y est, c'est bon. Il me reste encore les savons de l'été. Je les achète genre par 5 ou 7, dépendamment de la promo. C'est le savon moussant, donc vous pressez, c'est de la mousse. Il y a aussi les savons gel, qui sont tout aussi bien, mais je préfère les savons moussants, c'est plus agréable à utiliser. Et je vous le recommande aussi. Je sais que Bath & Body Works... Bon, d'habitude, je dois aller dans un magasin physique pour aller acheter les produits Bath & Body Works. Donc il faut que j'y aille vraiment pour quelque chose, hein, parce que je ne vais pas sortir juste pour acheter 3 savons, c'est pas possible. Mais cet automne, leur site canadien transactionnel va enfin arriver. J'espère que ça va être à la hauteur de ce qu'on imagine. C'est tout. Ensuite, j'ai terminé. Ah, deux produits à cheveux. Ah non, attendez, j'ai un autre produit Bath & Body Works avant de terminer. J'ai ça, Eucalyptus Mint, le Wildflower. Alors, je répète, je ne mets plus de bougies chez moi, je ne fais plus brûler de bougies chez moi parce que c'est pas bon pour ma respiration, mon asthme. Je trouve, avec le temps, j'ai trouvé que quand je faisais brûler une bougie, le soir, je misais un peu, ça faisait... C'est très désagréable, et pour moi et pour celui qui dort avec... Donc j'ai arrêté les bougies, mais du coup je mets ces petits plugins comme ça dans les prises. Donc j'en ai une dans ma chambre, j'en ai une dans mon bureau, et là j'ai le Eucalyptus Mint. Ça sentait, mais super bon. Alors je vous dirais pas que ça va sentir sur une grande surface, peut-être si vous avez deux prises et que vous en mettez deux. Mais des fois ça sent plus que d'autres fois, je comprends pas comment ça fonctionne. Des fois l'odeur est plus présente que d'autres. Donc voilà, Eucalyptus Mint, très rafraîchissant, parfum tout allé, de toute l'année, c'est bon, bien aimé aussi. Ensuite, bon, produits à cheveux, j'en ai deux. C'est ça, deux produits à cheveux, le Amika Flash Instant Shine Mask, je l'ai racheté direct. C'est le masque que je fais à chaque shampoing, puisque je me lave les cheveux maximum deux fois par semaine, mais c'est très très rare, c'est une fois par semaine. Du coup bah, je fais un masque à chaque fois, au lieu de mettre de l'après shampoing, je fais un masque et je mets ça, et ça rend le cheveu doux et brillant. Et voilà, bon, aujourd'hui il y a l'humidité, 88%, c'est ça. J'ai aussi fait des waves, je sais pas à quoi ça a servi, j'aurais pu sortir dehors et voilà. Mais masque brillant, c'est un... J'aime beaucoup 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 ce produit là, je vous le recommande si vous vouliez essayer quelque chose qui rend les cheveux bien brillants, ça. Et j'avais utilisé aussi le primer démêlant de Amika, même chose. Je pense pas que les deux soient nécessaires en fait. C'était bien, mais je trouve qu'il était assez lourd dans mes cheveux et huileux. Donc ça, je l'ai pas racheté, mais ça oui. J'ai pas besoin d'avoir les deux démêlants. Ça se passe bien. Vraiment, j'ai pas besoin de tout ça. Donc j'ai choisi. Parce que c'est plus cher. C'est des produits chers quand même, Amika. Moi, ça me dérange pas trop de mettre les sous sur mes cheveux, puisque étant donné que je me lave pas les cheveux très souvent, les produits me durent très longtemps, donc n'est pas un problème. Ensuite, c'est avec un grand regret que j'ai terminé mon SkinCeutical décoloration défense. C'est eux qui me l'avaient envoyé. Pour moi, c'était le meilleur sérum qui aide à enlever les taches sur le visage. Depuis, ma vie n'est plus la même. Par contre, ça coûte tellement cher que je vais pas le racheter, hein, ok. Ça, oui. SkinCeutical, je me sens très privilégiée d'être sur leur PR list.
on est d'accord. Mais je me sens pas à la hauteur monétairement pour m'acheter la marque. Donc je vais pas la racheter. Mais le temps que ça a duré, c'était bien. Ok. C'est ça. Je veux pas oublier le livre, c'est pour ça que je laisse dedans. Mais j'ai deux pinceaux qui vont quitter le navire. Lui, c'est parce qu'il shade comme jamais. À chaque fois que je me maquille avec, il y a du poil partout. Puis il est hyper vieux de toute façon. Donc. Ouais, voilà, tu vois. Tu vois. Tu vois ou tu vois pas. Faudra me croire. Et du coup, ça m'énerve. Donc ça, et lui, bah, je l'ai lavé. Il s'est pété en deux. C'est un Stipping Brush de ELF. Très très bonne. Très très bon pinceau les deux. Mais écoutez, à un moment donné, j'en ai tellement. Ça va en faire deux de moins à laver. Et bientôt quelqu'un va sortir une super collection de pinceaux et je vais plus... Vous voyez ce que... On est tous pareils, oui. J'ai... cette crème contour des yeux de Good Molecule. C'est la marque qui m'a envoyée. J'aime beaucoup beaucoup Good Molecule. C'est une marque vraiment pas chère. C'est la marque de Beautylish, vous pouvez la trouver là. Cette crème contour des yeux était géniale. Alors... ce que je recherche dans une crème, c'est quelque chose d'hydratant mais pas lourd. Je n'ai pas besoin genre de quelque chose qui va enlever la couleur sous mes yeux parce que pour moi encore ça n'est pas une issue, ça n'est pas encore un problème, je sens pas que... Je vois pas les cernes, donc si j'en vois pas ça va. Et je ne vois pas les cernes des autres en fait, je sais pas si on est tous pareils. Aparté. Je pense que j'en ai déjà parlé quelque part mais je me rappelle plus. Des fois il y a des choses qu'on remarque chez les gens. Non. On peut tromper un homme. Des fois, il y a des choses qu'on ne remarque pas chez les gens, mais que eux font une fixation dessus. Puis quand ils nous le disent, on fait comme ah ouais. Mais en fait, non, on n'avait jamais vu. Vous avez pas remarqué? C'est exactement la même idée. Je faudrait que je fasse une vidéo au sujet. La même chose quand quelqu'un vous montre la photo de quelqu'un et vous dit j'ai trouvé ton sosie. Tu me fais penser à telle personne. Tu fais penser à telle personne. Ça m'est arrivé 3-4 fois et à chaque fois je vois la personne, je suis comme, je ne vois pas la ressemblance. Je la montre aux gens autour de moi, je me dis, tu trouves qu'elle me ressemble? Non. Et voilà, ça vous est sûrement déjà arrivé. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on vous a déjà comparé à quelqu'un de connu et si oui, qui? Qu'on rigole. Moi je vais vous garder ça comme une surprise pour les prochaines vidéos et si je vous fais penser à quelqu'un de connu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires qu'on rigole pour cette prochaine vidéo, ok? Ok, donc cette crème contour des yeux, Wake Up Eye Gel, est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé le packaging en alu aussi, je dois vous dire. Ça m'a... Paradoxalement, ça m'a rappelé mes années eczéma. vous savez le packaging, tu l'ouvres et tout sort d'un coup parce que c'était trop plein, mais lui non, il a pas fait ça, ça va. Depuis il y a eu des avancées technologiques qui savent contenir un produit dans un paquet en alu. Tout ça pour ça, bref, il est très très bien comme produit, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. J'ai aussi fini ça. Le Sol Body en Gray Real Self Face Moisturizer 10. C'est ce que je mets tout le temps. Je pense que ça va être mon combienième, je ne sais pas. On va le savoir à la fin de l'année parce que je garde tout mon maquillage terminé pour faire la vidéo à la fin de l'année pour vous dire combien on a terminé de maquillage. Ah, c'est un goal, c'est un goal. Je pense que plus ça va dans ma vie, plus j'ai envie de faire des project plans et des produits terminés, de make-up terminés et tout ça, ça me fait vibrer. Mais écoutez... j'aime aussi le nouveau make-up, mais je vais vous dire que mon mood du moment, c'est d'utiliser le make-up que j'ai et voir en combien de temps ça va terminer. Donc tu peux pas faire les deux, faut choisir. C'est pas grave. Voilà, donc ça j'ai terminé, je l'ai racheté et j'en ai encore un autre backup. C'est un merveilleux produit, je vous le recommande. C'est ma crème hydratante. Donc, ah oui, bah, j'ai fini le combo de rêve, le combo de ma vie. Ces deux-là ensemble. En même temps quasiment, c'est la Glow Screen de Supergoop. Et là du coup, si vous avez vu mon vlog, vous le savez, mais j'ai commandé un autre. Mais je me suis trompée. Il se ressemble. C'est pas la même chose, lui c'est le transparent, lui c'est le glowy. N'est pas mauvais hein, parce qu'il n'est pas gris ou blanc sur le visage, s'étale en quelques secondes, pas de sensation grasse ou quoi.
Donc c'est très bien aussi, mais l'effet glowy plus plus pour le même prix, moi je prends du glowy. Voilà, donc ça manque à ma vie. Donc ça, excellent produit, je vous recommande. Il me reste du make-up. Quelqu'un sait que j'ai fini un échantillon de Maison Margiela réplica qui s'appelle Bubble Bath. Voilà, je vous le dis. J'ai fini 3 items de make-up. J'ai terminé ce mascara de Lancôme, enfin. Qui est le Lash Idol, c'est ça? Lash Idol, pas tellement aimé. Ne recommande pas. Ne fait pas grand chose sur les yeux. J'ai terminé ça. Oui, j'ai terminé un rouge à lèvres. De Linda Albert. Je m'en servais comme baume à lèvres, parce que comme il est transparent, puis j'aimais pas tellement la texture au quotidien. Enfin, j'aimais pas tellement la texture en tant que rouge à lèvres. Je me suis dit, bah, je vais le mettre comme baume à lèvres, étant donné qu'il est transparent, c'est ça. Donc, c'est la couleur extra. N'achèterai pas non plus, ne recommande pas. Et j'ai terminé aussi ce concealer de The Ordinary qui s'appelle Concealer. High Coverage. C'est High Coverage pour vrai. Il y avait beaucoup de produits à l'intérieur. Et j'ai bien aimé au final. Au début, j'ai trouvé ça difficile à utiliser. Je trouvais que ça marquait beaucoup. Et finalement, il faut mettre vraiment très peu de produits. Et du coup, ça tient longtemps. Ça m'a servi genre de... Des fois du fond de teint, des fois ça me sert en concealer. J'ai changé pour le NARS Radiance Creamy Concealer. Je l'aime à nouveau. Enfin, je l'aime. J'ai changé d'avis à ce sujet parce que avant je l'aimais pas ce produit. Maintenant je l'aime. Donc ça, oui, je vous le recommande. En plus, si je ne m'abuse, c'est pas super cher, mais c'est la marque qui m'a envoyé. Donc voilà, je finis avec le livre. Si vous voulez débarquer de la vidéo, je vous remercie d'être resté avec moi et je vous retrouve demain pour les favoris petit prix. C'est bien ça? C'est bien ça, je crois. Donc, merci, sans rancune, et à demain. Mais pour les autres, si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de ce livre de Stephen King qui s'appelle Dr. Sleep, je sais que ça m'a été recommandé par Célinette. Merci, Célinette. À un moment donné, je vous avais demandé plein de recommandations de livres. Ça m'a pris 4 mois à terminer. Mais il y a beaucoup de pages. Attends, il y a combien de pages? 634. C'était en anglais, en plus. Ça m'a pris 4 mois à terminer pour 2 raisons. Un, c'était quand même un gros volume et je lis que genre une demi-heure avant de me coucher. Je ne lis pas d'autres moments de ma journée. C'est juste pour reposer mon cerveau avant de dormir. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pas trouvé ça... Stephen King, j'ai toujours trouvé... Premièrement, c'est Dr. Sleep, c'est la suite de Shining. Je sais pas si vous l'avez dit, j'ai pas dit. C'est la suite de Shining. Donc c'est le Danny qui est adulte. Danny qui est l'enfant sur le vélo, là, Red Rum. Bon, il est sur un vélo. Il est plus sur un vélo. mais c'est la suite de son histoire. Qu'est-ce qu'il devient? Comment le Shining a évolué en lui? Comment il le combat? Voilà. C'est son histoire à lui. Puis il se rend compte qu'il y a d'autres gens qui sont comme lui aussi. Mais je vous dirais que le premier tiers du livre était génial. Les deux autres tiers, il y avait une histoire parallèle à l'histoire de Danny qui me fait comme décrocher du truc en fait. Je sais pas. Je trouve que Stephen King a des bonnes idées de départ. Toujours en général. Il a toujours une bonne idée de départ parce que on peut, comment dire, se relate. Je sais plus c'est quoi les mots. On peut s'identifier à l'histoire puisque ça se passe souvent dans un monde réel et avec des histoires, avec des personnages qui ont des situations réelles, voilà. Et après ça, ça switch, ces personnages-là ont une situation, il leur arrive quelque chose qui pourrait... Je ne suis pas booktubeuse. Il leur arrive quelque chose de cauchemardesque un peu, ok, mais qui pourrait arriver. Et... Pars pas, attends, j'ai pas fini. Puis après ça, on tombe complètement dans la science-fiction. C'est le truc qui part en live. Il y a deux histoires qui se parallèlent, qui vont finir par se rejoindre, c'est sûr. Mais tu dis, t'avais pas besoin de l'autre histoire. La première histoire, la suite de Danny, j'aurais bien juste aimé savoir comment il fait pour vivre et les gens qu'il rencontre et tout ça, c'était juste bien, genre il aide une petite fille ou quoi, qui a les mêmes choses, qui on raconte son histoire aussi à elle. J'avais pas besoin qu'il parte en mission pour quelque chose en fait, c'est ça le truc. C'est que, ben bah, on aurait pu, enfin, c'est moi, hein. J'aurais pu me contenter de juste l'histoire de Danny. Voilà.
C'était tout ça pour ça. J'espère que c'était pas trop long. Je vous remercie encore d'être resté avec moi et je vous retrouve demain pour les favoris petit prix et je vous fais d'énormes bisous. Bye.